members of the jury are asked to consider a number of different characteristics. Poser des questions aux consommateurs, ça ne marche donc pas. Mais pourquoi? Pourquoi les consommateurs ne disent-ils pas la vérité? Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils ont peur d'avouer leurs préférences? Pour les brioches plutôt que pour la laitue? Pour une marque plutôt que pour une autre? Ou est-ce parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes? Est-ce parce que nos choix sont le fruit de nos émotions bien plus que de la raison? The members of the jury are asked to consider a number of different characteristics. Deep in the subconscious. C'est extrêmement rassurant pour nous de nous dire que tout ce que l'on fait est pesé, mesuré. Or, si on regarde vraiment comment nos décisions sont prises, il y a une grande part d'émotion. Au commencement, l'homme avait besoin d'un cerveau pour respirer, manger, fuir le danger et se reproduire. Et puis, peu à peu, il s'est mis à vouloir penser, conceptualiser, théoriser. Et pour ça, il comptait sur sa seule raison, persuadé que l'émotion allait le déranger. Eh bien, il se trompait. La raison n'est rien sans l'émotion. Cette découverte récente, on la doit notamment à l'étude d'un personnage étonnant, l'Américain Phineas Gage. Phineas travaillait sur les chantiers des chemins de fer au milieu du 19e siècle. Tous ses collègues l'appréciaient. Il était courtois, sérieux, précis, en un mot, fiable. Jusqu'au jour où l'Américain se fit sauter un morceau du cerveau avec une barre à mine. Sans le vouloir, bien entendu. Aussi incroyable que cela paraisse, il survécut à l'accident et n'y perdit que l'œil gauche. Après une période de convalescence, il reprit son travail et là, patatras. Plus rien ne se passait comme avant. Il s'emportait facilement et n'était plus capable de prendre une seule décision sensée. Phineas fut renvoyé et pendant 12 ans, il ne cessa de changer d'emploi et de pays, laissant toujours derrière lui le souvenir d'un homme infect. Phineas et d'autres gens comme lui ont permis de montrer que le cerveau qui pense, qui calcule, qui décide, est le même que celui qui rit, pleure, aime, éprouve du plaisir. Quand nous prenons une décision, c'est l'émotion qui prend le dessus. Ça aide à faire le tri dans toutes les informations que le cerveau doit traiter. Mais le plus souvent, nous n'en avons pas conscience. Et nous cherchons a posteriori une justification rationnelle à nos choix. C'est pour ça que demander « Et pourquoi vous aimez ce téléphone portable ? Pourquoi vous avez choisi cette voiture ?» ne dit pas grand-chose des désirs profonds du consommateur.